m'a filmé vidéo ça, li 11h avec 5 minutes dans la nuit et mardi qui c'est 28 juin 2022. Alors l'espace que m'y est là, c'est dans l'hôpital Saint-Antoine que bon, t'es dans une situation qui était un petit crasse compliqué au niveau de l'hôpital là et puis je t'ai fait appel à moi-même. Mais venir regarder comment ça est vraiment à qui ça que m'a attiré attention nous là c'est justement l'électricité qui pas gain dans l'hôpital là pas gain courant là c'est une motocyclette qui devant moi là qui prend aller qui fait au remarquer gain une petite lumière ça c'est entrer l'hôpital là côté mieux là tout m'a montré nous galerie mais tellement fait noir nous pas ca voir est-ce que me déca allumer flash. C'est pas possible. L'homme viré là, il y a un côté, il y a une partie là qui a une lumière. Et, mais espace ça, qui c'est espace d'urgence là. Et côté urgence là, il y a, on va avancer là-dedans là, vraiment, nous avons constaté comment il a fait noir. Mais je parle avec le directeur. Le directeur dit comme ça que il n'a pas gagné l'argent pour acheter gaz. Et justement, l'hôpital ça son l'hôpital tête chargée son l'hôpital qui non paquet vraiment paquet problème là-dedans et il dit me comme ça que il y a un petit système solaire et petit système ça il est tellement utilisé la journée il pas ca et kembe pour la nuit c'est vraiment et partager situation ensemble avec nous mais comment ça y est au niveau de l'hôpital Saint-Antoine non jodi en nous en 2022 nous dans en ville sur tant que Jérémy. Et si nous regardons dans la fenêtre, ça, là, ça c'est fenêtre urgence. Là. Ça c'est fenêtre urgence. Là. Et si la lumière ça nous regarde là, c'est un monde qui a un flash téléphone. Et il y a plusieurs monde, il y a plusieurs malades dans là. Parmi eux, il y a un petit bébé 3 ans qui sort sur un dos qui est tombé en dedans là. Je crois que ça c'est un parent qui et pitié qui est avec flash ça cap lui bon on faut entrer même pas parler pendant m'va l'entrer et m'a éviter tout prend image comme ses visage mon tout ça OK guys. Ma focine.